chers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui n'est pas courante sur mon blog. J'avais besoin de vous parler de la GoPro Hero 4 Silver. Donc c'est une caméra que j'ai eu pour mon anniversaire, donc elle a un écran tactile derrière. Et j'ai des soucis avec et j'avais besoin de vous raconter mon expérience. Vous vous ferez votre propre point de vue. Donc elle m'a été offerte au mois de juin et on est en septembre, donc le 19 septembre. Et à ce jour, j'ai eu 3 GoPro neuves entre mes mains. Alors maintenant, là, je suis en train de me filmer avec mon iPhone. Je vous montre. Donc si vous suivez ma chaîne depuis un moment, je me filme depuis toujours en fait avec mon téléphone. Donc il y a des vidéos très très pourries au niveau qualité et là ça va mieux, étant donné que j'ai l'iPhone 6. Mon chéri, pour mon anniversaire, comme il connaît ma passion, m'a offert une caméra. Donc moi je voulais un appareil photo initialement, le plus connu quand on se filme. Il m'a dit non, si tu fais du film, prends une caméra. Et vu que tu veux faire des lifestyles, que tout ça, il te faut une petite caméra. Donc la GoPro, ça me paraissait vraiment la solution. Et pour lui aussi, puis le vendeur nous l'avait vraiment bien vendu. Donc c'est vrai qu'elle est petite, compacte, avec la perche. Tu peux te filmer, le trépied, moi je fais des vidéos cuisine, donc c'était vraiment l'idéal. L'image de bonne qualité, le retour, parce que moi j'ai besoin d'un retour, se fait sur mon téléphone, donc c'était plutôt pas mal. Donc moi j'ai eu des soucis au niveau du son, j'ai eu des bruits d'hélicoptère, des fle. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai ça sur toutes mes vidéos filmées avec la GoPro. Je teste ma GoPro avec le retour Wi-Fi à l'intérieur de la maison. La GoPro. Alors j'ai contacté l'assistance 3 fois et j'ai eu vraiment un très très bon accueil, retour, assistana. Voilà, ils sont très sympathiques. J'ai été surprise d'ailleurs de pouvoir trouver un numéro de téléphone facilement sur internet et d'avoir tout le temps le même interlocuteur. Lorsque je l'ai rappelé, vous vous rendez compte, avec un mois d'intervalle, il se rappelait de mon histoire où j'avais expliqué que je me filmais chez moi, blablabla, que j'avais besoin d'une bonne caméra. Donc je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé. Donc la première fois, je me suis filmée, j'ai découvert les bruits de fle. Je me suis dit, il y a peut-être un problème, vous savez, il y a des coques et tout, il y a peut-être un problème de coque, donc je retire la coque, je refais un film, des bruits d'hélico. Je me dis, il y a peut-être le problème de wifi, de paramétrage, je refais, j'enlève le wifi, toujours des bruits d'hélico, je remets le wifi, toujours des problèmes d'hélico. Je la pose sur le socle, des bruits, donc je me dis, il y a peut-être un problème de caisse de résonance. J'ai tout testé, toujours des soucis. Donc je les ai contactés, ils m'ont dit, faites-la changer. Donc on est retourné en boutique, on nous l'a changé, on m'en a donné une nouvelle. Le wifi n'était pas paramétré, donc j'ai quand même perdu 2 jours à essayer de comprendre pourquoi, du comment, bon bref. On s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, on est retourné en boutique, on nous l'a de nouveau changé. Donc j'ai ma 3e caméra, je me filme et je découvre encore des bruits d'hélicoptère. Donc j'ai recontacté GoPro, je leur ai envoyé les séquences pour qu'ils écoutent. Ils m'ont dit c'est pas possible, j'aurais dit mais attendez, je suis pas la seule quand même à avoir des bruits d'hélicoptère. Je suis quand même allée sur des forums et je vois que je ne suis pas la seule parce qu'il y a des forums où il y a marqué j'ai des bruits d'hélicoptère, est-ce que c'est normal, blablabla. D'ailleurs ces gens les ont revendus sur Le Bon Coin, leur caméra, donc ça m'a un peu fait sourire. Voilà, donc moi je ne la revendrai pas parce que j'aimerais pas acheter chez quelqu'un sur Le Bon Coin une caméra qui ne fonctionne pas, donc je vais la ramener en boutique et je vais demander à être remboursée. Donc GoPro m'a dit oui, on a déjà eu ce souci là, ils sont un peu restés évasifs, mais ils m'ont dit voilà, faites-vous rembourser, changez de caméra, allez sur l'autre. J'aurais dit non. Donc moi je leur ai dit stop, ils m'ont dit il faut prendre celle où il n'y a pas l'écran derrière, mais vous pouvez avoir le retour sur votre téléphone, bref. Je leur ai dit non, moi si j'ai pas d'écran tactile derrière, c'est niet, je veux pouvoir tout faire de ma caméra. Pour X raisons, le wifi ne marche pas avec le téléphone, je l'ai dans le baba, donc niet, et moi juste le bouton là, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je vais la faire changer, elle retourne demain en boutique et on va demander à se la faire rembourser. Donc moi c'est mon expérience, c'est mon retour, je suis vraiment déçue parce que j'aurais adoré pouvoir continuer à m'en servir parce que c'était vraiment pratique en fait avec le trépied. Donc je vais trouver un autre appareil photo, une nouvelle caméra. Et c'est vrai que c'est dommage, c'est décevant. Donc moi mon souci avec la GoPro, c'est que j'ai acheté la GoPro qui va m'être remboursée, enfin j'aurai un ticket pour me racheter autre chose d'une valeur de 400 €. Mais le souci quand on achète GoPro, c'est qu'il faut acheter la boîte parce que ça c'est pas fourni avec, donc ça coûte des sous. On a pris quand même l'assurance qui vaut 100 €, donc ça fait des sous, d'accord. Et il y a tout ce qu'il faut acheter, donc il faut acheter ça, il faut acheter la carte mémoire, et il y en a au final pour 800 €. Donc ça, s'ils ne le remboursent pas, parce que logiquement ça, ce n'est pas remboursé, je l'ai vraiment dans le baba, pour rester poli. Donc là, nous, on va faire jouer le fait que ça ne répond pas à nos attentes, qu'on nous a vendu quelque chose qui n'est pas du tout conforme. Donc moi j'ai appelé le service client, le service consommateur de la FNAC, parce que c'est chez eux hein, qu'on l'a acheté, qui m'ont assuré qu'on serait intégralement remboursé. Donc je demande le divorce avec la GoPro. Je vous raconterai dans les commentaires en dessous si ça vous intéresse, si ça s'est bien passé
avec la FNAC, si j'ai bien été remboursée. Je vous dirai tout. J'espère que oui, parce que franchement, j'ai tellement perdu de temps que là, ça suffit. J'aurais adoré pouvoir vous dire que c'était super d'avoir une GoPro, que c'est trop bien, parce que cette caméra, je voulais aussi m'en servir pour la première fois de ma fille à la piscine, à la plage, les balades, tout ça. Je m'étais dit, je pourrais lui mettre sur la tête, comme ça, je verrais ce qu'elle regarde. Et en fait, ben, si le son est si mauvais, et sachant que c'est quand même la troisième caméra, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Cette caméra, elle a été achetée pour, elle m'a été offerte pour mon blog. Donc là, le son est mauvais, j'ai des soucis. Donc stop. J'espère que cette vidéo en ma compagnie vous a plu. N'hésitez pas à me commenter voilà, si vous aussi vous avez une GoPro, si elle fonctionne, tant mieux, ce que je vous souhaite. Si vous avez eu aussi les bruits d'hélicoptère, voilà, je me sentirai moins seule. Je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et on se retrouve pour des prochains moments ensemble. Salut !